pétrole, les cadavres se montaient à 30 piles hier. 10, rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo. Encore des nets runners occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica ! Eh bien, Pacifica reste Pacifica ! C'était votre ami Stan ! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves ! What's up, guys ? Comment allez-vous ? Oh là là, et incroyable ! Incroyable. Je vous ai fait la vidéo de l'opening de l'édition collector de Cyberpunk 2077. Je me suis empêché d'y jouer depuis hier soir pour pouvoir commencer ce let's play avec vous ce soir. Et franchement, c'était dur. C'était vraiment super dur parce que j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'appuyer sur ce bouton start pour commencer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok. Il y a déjà un gros problème là, c'est que tout me tente, mais je pense que je vais plutôt prendre Nomade. Par rapport à mon édition collector, vu que j'ai eu le petit guide du Nomade, tout ça, voilà, ça me tente bien. Donc on a le choix entre un homme et une femme. On va prendre un homme. Oh, j'aime bien celle-là. J'aime bien. Ah ouais, non, pas du tout, MDR, j'avais pas du tout vu la queue de rat derrière. Allez, hop, ça dégage, hein. Cicatrice sur le corps, on s'en bat les couilles. Organes génitaux, vous êtes prêts à avoir une bite? C'est parti. Ok, ça part. Taille du pénis, non mais MDR, mais ça sert à quoi tout ça? Grand, petit, je suis mort. Bah, et hein, tant qu'à faire, hein. Style de poil pubien, non mais... Allez, hop, je me fais un petit cœur. Parfait, c'est celui-là qu'il faut, magnifique. Tiens. En plus, il y a un petit cul, sa mère, là. Oh ouais, attends, c'est long. Putain, non, mais la personnalisation, elle est vraiment trop longue. Alors, on dit que c'est jamais assez poussé, mais là, c'est trop poussé, quoi. On va voir s'il est bien, ce cyberpunk, j'espère, vraiment, parce que, putain, depuis le temps que je l'attends, j'espère que j'ai pas acheté l'édition collector à 250 balles pour rien. Utilisateur inconnu, ok. Ça commence bien. Ignorant, elle dégueulasse, sa mère. Alors, enlever les cuissons. Ça veut dire enlever les cuissons. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Ok, pour le moment ça a l'air d'être pas mal les niveaux graphiques. Bien sûr, ma poule, j'en ai même lâché deux. Ah, lourd. Ah oui, d'accord, ok. Alors, si je dis pas de bêtises, cet écuisson, je l'ai dans l'édition. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. L'édition collecteur, j'ai un écuisson comme ça. Et que vous étiez sûr? Alors, c'est votre première fois à Night City, suivez attentivement les détecticelles pour vous familiariser avec la mécanique de base du jeu. Mais si vous êtes déjà un edge runner expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils. On va les garder, on sait jamais. Il y a tellement de gens qui critiquaient le jeu. Donc je crois que j'ai de la chance d'avoir la Xbox One X parce qu'il paraît que la version Xbox One Fat normale, elle est vraiment plus sa mère, genre. Les graphismes sont vraiment moches pour le moment, bah comme vous pouvez le voir, elle est pas trop mal. Après moi j'ai un écran 4K, je joue en 4K là. Donc j'ai une belle qualité moi. Après sur le live j'ai pas de 4K. Bon allez c'est parti, on va parler au mécano. Examinez le moteur, poussez-vous, je vais le faire. Je paierai ce qui est convenu. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui demandera par un nomade ce qu'il faut faire. Après. Alors okay, là je commence à en avoir marre. Ok. Ça me va. Voilà, comme toi, c'est vous. Vas-y dégage. Quoi? Arrache ta gueule. Vous avez une idée de ce que vous faites? Donc le mécano, dirais-je, réfléchis, connecter les fils, je vais contourner le couplage. Allez. Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va faut voir sur en les continu, paysages, ouais. Ah ouais, faut voir sur les paysages. Moi j'ai peur des bugs, surtout honnêtement, apparemment il est fully bugué le jeu. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? On vous a demandé votre avis? Bah non, du coup ferme ta gueule, s'il te plaît, merci. Hein? Ok, donc... Je monte dans la voiture. Pour les graphismes, ouais. Ok, on va voir ce que ça donne. Démarrer le moteur. Oh, dis donc, c'est un start and stop. Je vous l'avais bien dit. Ah, ça a pas démarré. On recommence. Non. Oh, démarre, allez là. Ah, voilà. Mais la question, c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord.
Se connecter à la station radio. Ok, mécano, c'était pas de soucis. Je cherche Jackie Wells. Allez, on va faire ça. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Non. Ok, MDR. Vous voyez, c'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ok, bon, on va se connecter à la station. Donc apparemment, tout ce qui correspond à la quête principale, c'est en jaune au niveau des discussions, et tout ce qui est secondaire... Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein. C'est vous ne pouvez pas capter grand chose. Oh, il y a un mec derrière, attention. Sans déconner. C'est ce mec là. Oh, un keuf. Qu'est-ce qu'il veut dire? Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures, je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike, on va mettre les choses au clair. Oh, il va me péter les couilles lui. Ah. Toi, tu craches comme ça, toi. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène. Peut-être même autour d'une tasse de café. Je fais que passer, désolé. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Les visages sont plutôt bien faits pour le moment, quand même. Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Il a des mains cheloues, elles sont. Je sais pas si c'est des gants ou si c'est ses mains, s'il a une modification au niveau des mains. Voiture oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va me casser les couilles? Il va me faire écraser. Je la répare et je m'en vais. Vous avez un problème. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le cherche ou est-ce qu'on se la joue mollo-mollo? Moi, hey, je me dis... C'est à vous que je parle. C'est sympa parce que alors quand vous répondez pas dans un temps donné, du coup, il a une réaction. Fous la merde, ouais, toi t'es un fou merde toi, hein. Bah, allez, on fout la merde, c'est parti. On peut en parler. Je vais vous dire ce que c'est, mon problème. Ouais, il fout pas la merde, là, il fait le psychologue, là. Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. What? Une traite de chiens errants? C'est qui, lui? Installé. Qu'est-ce que vous avez contre les nomades? Je suis seul. Donc c'est ça, en fait, je pense que si je fais le bleu, monte-le en l'air. On va le monter en l'air. Bon, de toute façon, je pense que ça va finir comme timide. Ça. Franchement, j'adore les interactions du fait que quand on répond pas rapidement, il relance une phrase. Donc je vais quand même demander qu'est-ce que vous avez contre les vous nomades, aussi, parce que ça a l'air d'être secondaire. Aux infos, que les vilains nomades. On va peut-être apprendre 2-3 trucs sur ma famille des nomades. Je respecte l'ordre. Les corpos nous ont apporté l'ordre. J'ai bien l'intention de le maintenir. Les corpos vous payent et vous tiennent en laisse comme un chien, vous savez ça? Ouais. Il y a pas mal de détails quand même dans la bagnole, hein. Alors me forcez pas à montrer les crocs. Je vous repose la question. Où est votre clan? Bon, allez, y a pas de clan, ça, en fait. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben, j'espère que vous resterez pas longtemps. Bon. Vous êtes super accueillant dans le coin. Ouais, vous m'avez dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. On dirait une Super 5. Ah, j'avoue! Rien que les portières rouges, enfin, tout le contour rouge, là, sur les Super 5 GT à l'ancienne, là... C'est vrai que... Eh, hey, c'est à vous j'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi... En fait, c'est marrant parce que ça fait un petit peu genre... On a l'impression que ça fait voiture futuriste, donc par rapport au tableau de bord, je vois au bouton là-haut, et ça fait un peu voiture rétro, genre... Ils ont fait un peu un mélange des deux. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Fermer la porte, je veux pas de problème. Fermez la porte, vous aimez bien le son de votre voix, hein. Allez, hein, on continue de foutre la merde. Vous aimez bien le son de votre voix, hein? De quoi vous parlez? Ça veut dire quoi, ça? Rien. Rien du tout. Ouais. Ça vaut mieux. Ouais, en fait, c'est une petite poussie, un peu, là. Il veut pas prendre la merde. Alors, par contre, c'est bizarre, parce que vous avez vu, quand j'ai fermé la porte, du coup, on a l'impression qu'on est passé sur une sorte de canot, genre en mode, on parle dans une radio, quoi. Ok, donc je sors, là, je peux pas contrôler. Ok, si, c'est bon, je peux tourner. Bon, je peux contrôler la voiture. C'est déjà pas mal. Donc il paraît que la conduite est pas géniale. Bon, en vrai. Wesh, bah.
Vous voyez, ça c'est le problème des critiques. Parce que genre, je voyais tout le monde dire que la conduite était pas ouf. Honnêtement, c'est pas du GTA. Mais déjà... Oui. Ok, d'accord. Je viens de sortir, mais d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Ça va falloir que je m'y fasse parce que... Ok. Mais en vrai, la conduite, elle est pas si mal que ça. Hein. Ça drift, on peut faire... Je sais pas s'il y a un frein à main. Putain, mais... J'ai envie de faire des drifts comme sur GTA et je sais. J'ai pas de rétro. Alors après, par contre, ce qui est dommage, c'est du coup, le jeu est à la première personne, mais quand on conduit, on est à la troisième. Est-ce qu'il y a un moyen de changer? Genre, si j'ai envie de... Ok, donc ça, c'est... Changer de caméra. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, c'est bien, on peut conduire en première personne. Ah bah non. On peut pas conduire en première personne, genre. Ah non, en fait, ça me remet directement en... Ouais, c'est pas mal. Alors, hop. Est-ce que... Oui, on peut courir en appuyant sur le joystick. Forcément, c'est fermé, ça c'était sûr. Ah, je peux défoncer, allez, ça dégage. Hop là, un grand coup de botte là-dedans. Est-ce qu'on a détruit ça? On peut rien prendre. Escalader la tour radio, localiser le boîtier électrique. Ah, genre, on peut faire un peu d'escalade. Ça c'est verrouillé, je peux pas. Est-ce que je peux monter? Comment on fait pour sauter? Ok, je peux sauter, mais je peux pas monter là. En vrai, je pense que je vais. Vigilance comme assez, je pense. La vigilance. Ah ouais, sur Assassin's Creed Valhalla, je sais pas, vu que je l'ai pas encore fait, je. Ok, donc là je peux monter par là. Je regarde un petit peu, c'est le temps que je me fasse un peu aux touches. Je pense après ça ira mieux. C'est quoi ça? Ok, je crois que j'ai déjà ramassé un god. God Miché Perlé, non mais MDR, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais faire avec un god? Bon, j'ai vu qu'apparemment il y avait énormément de cul dans le jeu. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris cette directive là. Attendez, je crois qu'il y a un truc là-bas. Quoi ça? Peut-être des trucs à ramasser là. Ah oui, effectivement. God Miché. Mais pourquoi il y a des gods partout, préservatifs? Oh ouais, MDR. En fait, c'est que du cul quoi. Encore un god. Bon, je ramasse tout hein. Comme en vrai, tu le mets où je pense, ouais. Dans ton cul, ouais. Pas dans le mur. Bon, je les ramasse parce que ça se trouve, ça sert à quelque chose, hein. Je sais pas encore. On verra bien. Ok, donc là, c'est cassé. Les bruits sont pas mal, on a des bruits de métal basique soufflé par le vent. En vrai l'ambiance est pas trop mal, c'est pareil dans les critiques, il y en a pas mal qui disaient qu'on avait du mal à s'imprégner dans le jeu quoi, à rentrer dedans. Pourquoi là je peux pas le ramasser ça, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un... Ok, je croyais que c'était un truc à ramasser. Genre en mode est-ce que si je saute là je suis mort, je pense. Mutante au clair de la lune. Ok, c'est quoi? C'était nu comme les autres, un brouillard noir épaissant étouffé. Ouah, en fait j'ai trop la flemme de ouf. Hein. Donc ça meurt. Ok. Connecter le téléphone satellite à la tour radio. Okay. Là en gros ça va faire un peu en mode... Far Cry, genre tu prends les tours radio et ça te permet de découvrir la map, c'est ça? Enfin, j'imagine. On verra bien. Ok, donc en fait j'imagine que c'est Night City. Ah oui, non, d'accord, ok, je peux parler à quelqu'un. À toi. Je te reçois, ça y est. Willie McCoy, c'est bon de t'entendre. Hey, j'aimerais pouvoir en dire autant. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Ok, donc lui, apparemment, pas c'est un nomade. T'étais si prudent. Vous voyez, c'est ça qui est important quand on prend les trucs du secondaire, c'est que t'apprends un peu plus du jeu. Genre là, on sait que le mec ça doit être un nomade. Ils ont donné boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. Ouais, d'accord, vous voyez. T'aurais aucun problème si t'étais encore un backer. T'aurais dû rester avec eux. Il y a des mots que je comprends pas encore, j'aurais dû lire le livre avant de commencer. Backer, je sais pas ce que c'est. Je les emmerde, les Snake Nation. Les Snake Nation, je sais pas du tout non plus, on va apprendre. J'ai besoin de ton aide, une dernière fois. Encore, une dernière fois. Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas la voix là qu'on a du joueur, elle me dit quelque chose. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Ah, donc là, on peut répondre de deux façons différentes pour la quête principale. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Bien sûr, ma caisse est tombée en panne. Bien sûr, on est des mecs sûrs. Oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells.
message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Ok. Bon. Ça, c'est fait. On a le droit de descendre par ou par là. Nomade mission. Ok. Je vais regarder la carte après vite fait, histoire de voir si on a déjà des quêtes secondaires qui sont placées. Oh, wow, j'ai failli me fumer sa mère. Qui sont déjà placées sur la carte. Ok, donc là le frérot est en train de faire à manger. Je veux voir un peu les niveaux de détail. Genre là je trouve que en vrai les brochettes elles sont pas hyper bien faites quoi, genre. Je sais que je suis un peu tatillon quoi, mais genre j'aimerais bien voir genre ce genre de détails sur la next gen pour voir si ça change ou pas. Est-ce que je, ouais, je peux on se connaît? On se connaît. Non, on se connaît pas, frérot, mais alors par contre, t'es vraiment habillé comme une merde. On rentre en bagnole et on est parti. Ouais, ouais! What? Eh non, mais ça commence. Eh, vous avez vu? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le mec, il était assis en l'air. Et c'est un keuf. Genre, là, j'ai déjà une étoile. Police introduction. Si vous entreprenez des activités illégales comme voler ou agresser des civils. Le NCPD mettra à votre tête après. La police enverra une patrouille sur place et l'ampleur de sa réaction sera proportionnelle au montant de la prime. Pour semer la police, éloignez-vous de la scène du crime et faites profil bas pendant... Eh non, mais je suis mort. On a même pas joué pendant 5 minutes qu'il y a déjà un putain de bug. Ah ouais, donc du coup là, je viens de... Ah, ouais, ouais. Wesh. Ah ouais, non, mais attendez, c'est des ouf, oui. Je dois même pas tuer le frérot et ils essayent de me fumer comme... Ok. Bon, MDR, hein, ça commence bien. Mais je suis mort, le mec il était en plein milieu de la route, assis en l'air, on sait pas ce qu'il pourrait. Ok, bon, visiblement ça va, j'ai déjà échappé à la police, ça n'était pas trop bien. Ouais, ouais, la conduite, je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre, mais il y a moyen que ça soit pas mal. Ok, donc là je suis sur le lieu de rendez-vous, c'est bizarre, voilà. Ouais, non, j'arrive sur le lieu de rendez-vous, mais la vision elle se baisse maintenant en fait, c'est juste parce que je me suis baissé. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. Okay, je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V, t'as une cargaison à transporter apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant. Non, j'ai passé sans faire exprès, quel gros cotorep. C'est une bonne. Ah non, ça va, ça passe, ok. Ok, t'es un homme de principe, c'est ça? T'es ouais, un homme c'est... de principe? Il en faut bien un essai. Au moins, il te restera toujours ça si jamais on te prend tout le reste. Ok, c'est pas mal, il y a le suivi de la tête, genre en mode il me suit, il me suit du regard, c'est pas mal. Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand chose. Bah. Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un crasher. Et toi? Un crasher. On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Y'a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. Non, ça c'était sûr ça. C'est rien non plus, mais c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer. J'ai un plan de fabrication pour un fusil à pompe. De la marchandise corpo volée. Volée? Ah. Un pommard l'a perdue, un autre l'a trouvée, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon ou un truc du genre. Et y'a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière, hein. Aide-moi à charger. Allez, faut mettre pas... ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Non, mais MDR, aide-moi à le charger. Comment en fait, c'est pas aide-moi, c'est genre fais-le et je te regarde. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne.
Mais d'accord, le frérot il monte dans ma caisse comme ça, lui. Tu t'es couché ta mère ou quoi là? Bon, on décolle. Bah. Why? C'est quoi cette bagnole? J'ai pas le droit de la prendre celle-là? Bon, remarque, je dé. Oui, on semble un peu à la même. Bonjour, monsieur. N'écoutez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. Wesh. J'ai un très mauvais pressentiment. D'ailleurs, je suis mort. Si le truc à gauche là, il me fume là, la grosse mitrailleuse, je suis pas dans la sauce. Bon, relax. Tu sais, ils vont le voir si t'es nerveux, hein. Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais, ouais. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Oh, le frérot, ça y est, déjà cassé les couilles. Et maintenant? Putain madre. T'as du fric. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. Ok, donc les édits, ça doit être la monnaie. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça part en couille. Bonjour, ok. Monsieur. Ils ont l'air de tous se ressembler un peu, hein. Si vous tentez de passer la frontière, nous ouvrirons le feu. Ok, ok, monsieur, ok, ok, ok. Les autres zones sont interdites d'accès. Je ne dirai pas deux fois, mais j'ai rien fait. Ah oui, non, d'accord, c'est lui qui parle. À plat ventre, pas de discussion. Rendez-vous au poste de douane et sans délai. Oh, ça va, frérot, j'arrive. Oh, t'inquiète, pas de panique, gros. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Oh, j'ai une arme, je savais même pas. Fais gaffe à ce que tu fais toi avec mon arme, d'accord? Présentez-vous en salle numéro 2. Ok, bon, graphiquement, pour le moment, il n'y a pas trop de bugs. Hein. S'il mange, il mange des frites. Ah, alors, je sais pas du tout ce qu'il mange là, le frérot, mais alors c'est extrêmement mal fait. Hein. Ça va? L'espèce de cornet, je pense que ça doit être un cornet de frites. Mais la vérité, mal fait. Hein. Oh là là, je sens que je vais me faire baiser là-dedans, je sais pas pourquoi, mais... Asseyez-vous. Au papier. C'est quoi ces yeux, frérot, là? Moi, je connais. Je sais comment ça marche, tout est là. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Il a un sacré vous paquet de modifications, lui. Hein. S'il y a un problème, dites-le moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais j'ai encore rien dit. La question, c'est... Est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité? Ah, oh, je voulais pas lui donner de pognon, moi. Putain, je suis obligé. Bon, moi, je vais lui donner, hein. Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Ah, le fils de pute. Putain, c'est bizarre, hein. Je roule pour aucun clan. Aucun clan. Je roule tout seul. Pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, oh, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Ah, bah ça se passe bien. Allez. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. À la revoyure. Moi, j'ai pas... Non, j'ai pas à reprendre ça. Bah, alors, il va me la refiler, mon flingue, le frérot. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Où ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Pourquoi c'est plus moi qui conduis, là?
J'aime pas être le passager. Je trouve qu'il conduit comme une queue, lui. Allez, hein. On est là, voyons, monsieur. Bouchou. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Ah, merde. Ah oui, un mauvais pressentiment, on va se faire démonter, c'est sûr, ça. C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. Wesh, mais il roule comme une fille, lui, ou quoi ? Accélère, frérot, à un moment donné. Oh là là, on va se faire démonter. Immédiatement le véhicule. Faut pas rester là ! Ok. Oh là là, ça commence. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Alors, véhicule combat, dégainer l'arme Y, rengainer l'arme et s'asseoir, appuyer deux fois sur Y. Ok, comme passager, dégainer votre arme vous permet de vous pencher par la fenêtre pour utiliser toutes les armes à distance équipées. Tirez, vas-y. Ah ! Why ? Y'a pas le frérot là ? Ah ouais, d'accord, la voiture est déjà en feu. Pas grand chose pour que la bannière soit en feu. Je peux pas tirer sur ça là, ça peut pas. Mais... Ouais, par contre, j'ai touché la petite déjà avec un avec là. Ouh, pas mal, c'est une explosion. Okay. Est-ce que j'ai un nombre de balles? Ok, donc apparemment j'ai pas de. J'ai pas de monter en balle. Parce que je vais pas mieux. Ça explose un jour cette bannière ou pas là? Elle va jamais péter la caisse là. C'est pareil. Attention, ça va pas finir, ça c'est du jeu, ça va donc apparemment, d'après les vidéos que j'ai vues déjà, sur la version One Fat, genre les voitures, elles explosent pas. Elles finissent dans le mur, mais elles peuvent pas. Alors, en mode, c'est sacrifié les explosions. Et là, les explosions sur la One Fat, c'est pas. Attention. Ah, on retourne à la voiture. Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas, on peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Ok. J'imagine qu'il a fumé ma bagnole. Oh, il a. Oh, il a mangé la voiture. Putain. Il a mangé l'auto, le frérot. Regardez, je l'avais réparé. Elle était toute neuve. Neuve qu'elle était l'auto. Eh, hey, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent. Ouh. Et s'en tirer comme ça. Il a pris un risque. À sec. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir. Et il a eu raison. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Oh. Ah oui, l'enfuie, Nico. On sait que de se baiser là. Le douanier nous a baisé, lui il va nous baiser. Que j'allais t'attendre là, bien sagement. Ça, c'est moi qui vais me faire enculer à la sec, hein, je le sens. Non, j'ai passé sans faire exprès encore. T'es un chic type, ok, d'accord. Tu m'as piégé, j'apprécie ton honnêteté. Non, tu m'as piégé, t'es piégé. Ah ouais. Désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquant. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur de quoi? Ah oui, d'accord, du truc. Ouvre-la. Pourquoi c'est moi? Je suis pas sûr que ton client apprécie de recevoir un paquet ouvert. C'est synonyme d'embrouille. J'emmerde le client. À un moment, c'est. Oh là, mieux il y a eu un bug là, non? Plus de commission, plus d'intermédiaire. Et puis, je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur.
Ok, bon, on ouvre alors. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. C'est quoi? Oh mames! Un vrai iguane! Des petites antilles, je crois. Des petites quoi? Ouais, j'ai vu un docu sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites antilles. On a fait du chemin, boule d'écaille. Si tu dis pas de bêtises... Ouais, ok, non, j'ai rien dit. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire, on va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. Je lui avais déjà trouvé un nom. Il a des pieds chelous, le frérot. Il a un doigt de pied, il s'y faut plus grand que le reste. Fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai pas de plan pour l'instant. Pourquoi tu me demandes ça? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? Ne plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi un... avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Non, j'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de t'en profiter. Son pote, lui, hein. Partenaire. Hé hey oh, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Ouais, le truc il m'est monté dessus. Oh, Night City! C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année. Et encore, okay, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on ne peut pas rester autant, très longtemps. La vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Ou alors, quand on se prend une balle. Wesh, comment se fait défoncer? J'ai perdu une dent. Ok, donc là en gros c'est un peu pour voir tout ce qu'ils ont fait. Ouais, la plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière. Wesh. Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City. La cité des rêves. Alors, pas mal, hein? Ouais, pas mal, frérot. Pourquoi tu clignes rouge? Pourquoi tu clignes rouge? Pourquoi t'as un petit truc rouge, frère? Le fixeur t'a donné un tuyau. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Wakako? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. Ok, MDR. C'est parti. Il y a des véhicules éclatés partout dans ce jeu. L'ascenseur. J'ai du mal avec la manette, hein. Ouais. Ah, j'en la cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. La lumière, elle est éblouissante presque. Et voilà. C'est ça, ouvre toi. Ok, ma gueule, on fait pas de bruit. Il y a à manger, hein. On arrive trop tard.
Ah, voilà, et là, il y a eu un exemple typique du graphisme. En vrai, je pensais vraiment que. Après ce qu'il disait là, je pensais vraiment qu'il allait avoir des détails de ouf. Qu'il allait un peu révolutionner le. Ils ont annoncé le jeu quand même comme une révolution au niveau graphisme et gameplay, tout ça. Pour le moment, ça a l'air d'être un jeu bien, mais c'est pas non plus. Pas forcément à quoi on s'attendait. Ok, je peux utiliser ça ? Je vais utiliser vite fait. Après, là c'est sur Old Gen, donc peut-être que sur Next Gen ce sera complètement autre chose et que ce sera vraiment la claque tant attendue, quoi. Mais en vrai, je m'attendais tellement à un truc de ouf. Que pour le moment ça a l'air d'être bien, mais ça n'a pas l'air d'être non plus une dinguerie, quoi. Reste concentré, regarde ici. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a un problème, la sœurette là. À mon avis, elle s'est peut-être un peu fait démonter. Sandra Dorset dispose d'une unité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros et attaques de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Wesh. Elle s'est fait déglinguer, la sœurette. Typiquement, oui. Là, je trouve, graphiquement, c'est pas ouf, genre. Je sais pas, c'est pas... Grouille-toi, Mano. C'est bien fait, mais c'est pas non plus... C'est un truc de ouf. Après, il y a quand même pas mal de petits détails. Des méchants visuels. Après, ça se trouve, c'est ce que, comme je redis, la old gen fait peut-être que ils peuvent pas non plus faire trop de trucs, quoi, genre. Déjà, il y a eu deux disques pour installer le jeu. C'est quand tu veux, V. Tant que j'avais jamais vu ça. V, tiens-toi prêt. Mène tes roses droitement. Active-le en silence, V. Aïe, ok. Hop là, dans le frigo. Joli. J'aurais pas fait mieux. Ok, là je peux prendre le truc. Depuis tout à l'heure, je ramasse des trucs, je sais vraiment pas à quoi ça va me servir plus tard. De toute façon, ça aura sûrement une utilité, on verra bien. Attention. C'est pas vraiment là-dedans ? On en a combien ? Oui, il y a du monde. Oui ! Qu'est-ce que c'est ça ? Wesh. Vraiment des trucs chelous dans ce jeu là. Bon, ok. Ça sert à des trucs de soin. Des balles, on est limité en balles. Ouais, je vais y penser. Ah, il y a de la il y a de la destruction de. Oh, c'était quoi, c'était une grenade ça?
Ah ok, il y a de la destruction, c'est pas très mal. Ça rend bien. Oh, il y a un mec là. Et paf, dans ta gueule. Fiche. Eh ben voilà. Oh, on a le sait. Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La tête sur la couche. Son âme. Deux secondes, je vais sauter la serrure. Ah, ok, là, je l'ai pris, c'est pas comme ça. Attention, je me charge du reste. Je viens de finir de pirater la porte, soyez prudents. Ok, c'est bien, je prends les armes depuis tout à l'heure, je peux pas les utiliser. J'aime, j'aime trop la musique par contre. Ok, là, j'ai fait ça. Donc, lui par contre, attends, je recharge. Fais la giclée, terre mon mec. Allez. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu en direct. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Ok. Je vais montrer tout ramasser. Waouh. La qualité sonore là, c'est un truc de ouf hein. Le son, j'entends résonner dans mon casque limite. Franchement, le son est vraiment beau. Hein. Et franchement, ouais, là, on voit un petit peu l'étendue graphique. Franchement, c'est sympa. Les annonces publicitaires, tout ça. C'est pas trop mal. Bon, mais... Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dira des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique. Sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Ok, madame. Ouais, j'ai un cap qui lui sort de la main. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Cala, roti bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Merde! Fais un trépas! V, dis-moi ce qui se passe! Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Ok, donc je me balade actuellement avec une femme à poil. Voilà, sors-la d'ici! La terrasse. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Arrêtez-vous à la porte. Ah, ok. J'avais pas compris.
sol. Cinq pas en arrière. Allez. TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. On va sauver la sereine, je sais pas à quoi ça va servir, mais on va sauver. Putain, par contre, le son est vraiment ouf. Hein. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. Je suis mort. Le mec qui passe par la porte. Bon, et oui, alors, c'est clair. J'ai un truc forcément, à faire. Hein. Ça t'embête après. De me prêter ta caisse. J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, d'une Jack. Merde. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Impec, mon gars. Tu peux venir gars. Le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Bien vu, Sorette. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Je suis parano. Ah merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. J'ai une grado. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. T'es des os! Bande d'enculé! Putain, Jackie, roule! Allez, vais, tire! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Bon, bah, ça va, ils sont morts, les frérots. Ouais, dégagez! Merde, pardon! Je peux pas sortir. Je vous ai eu, les connards! V, fils de conducteur! Rigolo! Ah, bah, il est mort, les frérots. J'aime beaucoup. L'univers, il est dingue. Hein. Honnêtement, l'univers est vraiment ouf. Putain. On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Ouais, c'est quoi ce truc, là? Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Wesh! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. D'ailleurs, la meuf, elle a laissé passer deux mecs comme ça. Surtout lui avec sa grosse tête de con. Hein. Comment tu veux laisser passer un mec avec un mec comme ça? Tu lui as fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qui l'a prise aux tripes. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Mm-hmm. Et modeste en plus. Tu me connais. Oula. Bordel. What? Regarde ça, mais il y a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Maxtac. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Maxtac se pointe quand ça chie vraiment.
Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Bonsoir, Night City. Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Eliaou. Bug. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Merci. Bon, on a mis tout à la planque. Et du coup, pour continuer, il faut aller se coucher. Et bah écoutez, je vais faire pareil que dans le jeu. Je vais aller me coucher. J'ai 1h30 qu'on live pour ce petit début de Cyberpunk 2077. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai du boulot demain. J'ai encore des vidéos à tourner. Donc, si je veux être productif demain, il faut que j'aille dormir. Sinon, je vais encore me lever à midi, là. Je regarde dans la glace. Ok. Pourquoi je suis à poil, en fait? What? Pourquoi? Ok. Je peux sourire. Wesh, il fait robe de ouf, hein, sourire comme ça, là, comme un débile. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir la manche, d'être habillé sur la gauche, d'avoir une manche de quelque chose, et d'être à poil là. Je peux me doucher. Voilà, je vais prendre une douche avant de. Ouais, regardez, truc tout bête. Non mais je suis mort. Le mec il prend une douche, il est habillé quoi. Ouais, il y a un peu des trucs un peu chelous quand même, hein. Genre en mode, je me regarde dans le miroir, je suis à poil alors que je voyais que j'étais habillé. Je sais pas si... Là, la douche, je prends une douche, frérot, je prends une douche habillée. Et il fait rien, genre, il reste juste dans la douche sous l'eau. Ouais. Même sur GTA, ils avaient fait mieux que ça, genre en mode, tu pouvais vraiment te doucher. Ouais, t'avais une cinématique quand tu commençais la partie où tu te douchais. Ouais, franchement... Je vais être méchant, mais des trucs comme ça, à la limite, vaut mieux rien faire que de faire ça, quoi. À ce moment-là, tu prends pas, tu donnes pas l'opportunité de te doucher, quoi. Là, il y a les chiottes, j'imagine que je peux chier. Ah, je peux tirer la chasse d'eau. Quand même. J'ai pas le droit de pisser, mais j'ai le droit de tirer la chasse d'eau. Ok. Ouais, bon, ça va, on va pas non plus faire les tatillons, mais... Bon, et ben ce sera pas mal pour ce premier live. Je vous remercie les frérots d'avoir suivi ce live et à tous les potos qui sont passés sur le live. D'être venu me voir, c'est sympa. On se retrouve très bientôt. Sûrement début de semaine prochaine pour continuer ce live. Je sais pas quand je vais pouvoir commencer à mettre les épisodes de Let's Play sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent revoir un peu. Ou même tout simplement voir. Pour les personnes qui n'étaient pas présentes sur le live. C'est vrai que j'ai pas mal de boulot entre la chaîne Muscu et la chaîne de jeux vidéo. Du coup, il va falloir que je me fasse un bon petit planning. Donc c'est parti. On va aller se coucher dans le jeu et dans la vraie vie. Merci tout le monde. Merci.